L'heure est grave. L'heure est grave, les gars. Regardez ce qui se passe. Bon match, les gars. Ça, c'est l'équipe U20. L'équipe après des Lions de Cordoba. Ils sont en train de vouloir remplacer l'équipe nationale. Comme vous voyez là. Donc, ils sont en route comme ça pour Garoua. Je m'interroge. Donc, vrai, la Vietnam, où c'est la Namibie là. Le 7 là. Ils vont jouer avec l'équipe après. Bon match les gars. J'ai dit, qui sera vraiment vainqueur? Ou bon si c'est dans cette guerre, ou bien c'est le bras de fer, ou bien c'est je ne sais même pas si on a déjà vu ça un jour dans quelque part dans un pays concernant le football. Qu'est-ce qu'on nous montre comme ça? On nous a dit que les Lions Indomptables sont logés au Hilton. Ils étaient supposés être logés à la falaise, à l'hôtel La Falaise, à Douala. Ils sont plutôt à Yaoundé. Et que le match va se jouer à Yaoundé parce que, selon l'ONIES, le seul stade habilité, le seul stade qui est prêt maintenant pour ce match, ce n'est que le stade Amadou Ahidjo. Que même le stade de Garoua n'est pas encore prêt. Donc tous les stades, le stade d'Olembeo, le stade Jacomo, tous les stades qu'on a dépensé des milliards pour construire là, aucun stade n'est prêt. Ce n'est que le stade, l'ancien stade, vieux stade qu'on a, qu'on a réhabilité pendant la Canada, qui va accueillir le match Cameroun, Namibie. Entre temps, les Lions sont là maintenant comme ça. Ils sont au milieu. Ils ne savent pas si descendre ou monter. Comme un enfant au milieu, là où le père de l'autre côté, la mère de l'autre côté. Le père tend la main, la mère tend la main. L'enfant est là. Il ne sait pas si aller à gauche ou aller à droite. Maintenant, les Lions ont choisi que le père ou la mère. On ne sait pas. C'est chaud, hein? C'est chaud ce qu'on est en train de voir là. Et Longambe, comme lui, il dit qu'il va leur donner l'insomnie. Le gars a appelé l'équipe U20. Que venez. Comme les gars veulent 1000 balles, qu'ils sont avec Marc Brice et le MINSEP. Ok, c'est la FECA Foot qui décide. C'est moi, j'ai le pouvoir. Venez, vous allez aller jouer à leur place. À leur si. J'imagine comment les têtes des Lions, leur tête là, sont en train de chauffer. Comme, mais est-ce qu'on a collé les petits ici? Finalement, alors, le match, c'est où? À Garoua ou à Yaoundé? N'est-ce pas, on a dit que Garoua n'est pas prêt. Que c'est plutôt Yaoundé qui est prêt. Ha! Ha, 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 ha. Ça, c'est une compétition. Vous comprenez, non? Oui. Écoutons un peu la CIA TV, les gars. Écoutons un peu un extrait de la CIA TV. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025, le Cameroun se prépare à recevoir la Namibie pour le compte de la première journée. Les Lions Indomptables entrent en stage ce lundi à Yaoundé. Certains joueurs sont déjà dans la tanière depuis la fin de cet après-midi. Evariste Yenga, bonsoir. Vous êtes à l'hôtel Hilton de Yaoundé où descendent les Lions. Quelle est l'atmosphère au sein du groupe et dans l'entourage immédiat ce soir? Bonsoir Romuald, c'est une ambiance de rentrée de classe, entrée en stage des Lions Indomptables ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé, marqué par des entrées et des accueils des joueurs qui arrivent ici. Pour l'instant, ce sont quatre joueurs déjà dans la tanière, le capitaine Vincent Aboubakar. Et puis les deux premières arrivées, Christian Bassogok et Jules Armanco, des astres de Douala. Et il y a quelques instants, tout juste derrière nous, venait d'effectuer son entrée Carlos Baleba. Ces joueurs seront rejoints par d'autres qui sont actuellement entre l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et l'hôtel Hilton de Yaoundé. Ils sont quatre, suivis d'une autre vague de trois joueurs selon la coordination des équipes nationales. Il est attendu un effectif de 13 joueurs cette nuit, ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Ici, ils ont rejoint le staff
technique déjà en place. La dernière arrivée du staff technique, c'était il y a quelques instants, tout juste derrière nous, François Oumambiyik, entraîneur sélectionneur adjoint, qui a donc rejoint les autres ici. Il est prévu un dîner autour de l'entraîneur sélectionneur Marc Brice avant le repos. Et le programme prévoit demain, selon la coordination des équipes nationales, la première sortie pour le terrain d'entraînement, la première séance d'entraînement. Voilà un peu l'essentiel ici. Mais pour une autre information venue d'ailleurs, c'est de Douala. Il y a certains jours arrivés par l'aéroport international de Douala, il est prévu une rotation de la compagnie aérienne de transport national devant les conduire à Yaoundé pour regagner l'hôtel Hilton de Yaoundé. Voilà donc globalement les quelques petites informations qu'on pouvait avoir déjà ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Évariste Yenga, Jean-Baptiste Bachon pour le 20h30. Évidemment, n'hésitez pas à revenir avant la fin de ce journal s'il y a des développements majeurs. Tout ça, ce qui m'énerve, ce sont les totozores qu'on appelle joueurs. Une bande de chefs. C'est vrai que parmi vous, il y a certains là que nous, on ne peut même plus en vouloir. Ils sont déjà en fin de carrière. Là, je les ai rattrapés. S'ils ne jouent pas au Cameroun, ils vont encore jouer. Eux-mêmes, quand tu les vois au stade, tu sens qu'à côté de leur nom, on a écrit suivant, c'est eux qui insistent. Oui, eux là, nous, on ne peut pas les en vouloir. Mais parmi vous, il y a les gens qui ont l'avenir prometteur. Vous êtes incapable de taper la main sur la table. Vous êtes là, vous faites pitié sur les vidéos. C'est comme si on est seulement en train de vous kidnapper. Vous êtes là comme les gens qu'on a séquestrés. Vous êtes incapable de taper la main sur la table. Mais si vous ne pouvez pas taper la main sur la table, il y a les méthodes et les manières. Appelez-moi. Quand on vous convoque en club comme ça, vous nous lancez même 10 certificats médicaux. Vous mettez même 10 diarrhées. Bon, 10 diarrhées, c'est un peu dur. Vous pouvez mettre même 5 hémorroïdes, 5 diarrhées, 2 dangereux. Vous pouvez même encore mettre même 2 hernies. Qui va vous obliger de venir jouer? C'est mieux de faire ça. Nous, on déclare forfait. Que de venir porter une telle honte aux yeux du monde. Vraiment, vous ne voyez pas que c'est un peu chaud avec le genre de poème qu'on a dans ce pays. Vous ne pouvez pas augmenter la honte sur le foirage. C'est un peu dur. C'est un peu dur pour nous. Les lions indomptables. Vous-même, vous acceptez quoi? Ça, c'est... On vous trimballe comme des... En tout cas, nous, on attend seulement la fin du film. On attend. Vous êtes en train de jouer même le match avant le match. Nous, on attend le vainqueur. C'est le 7 qu'on va savoir... Qui est le king? Qui est le roi? Oui, le 7 là. On va voir qui aura honte le 7. Par exemple, c'est le match qui se joue. Hey, voilà, il y a le match qui se joue. Donc, le 7, on va voir le vainqueur. À vos antennes. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. Hightech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique, HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé, grâce aux formateurs chevronnés et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. Hightech Training Institute est situé à Yaoundé au Foundimol, téléphone 695 87 35 42. Email info@htti.net, site web www.htti.net. Hightech Training Institute. Knowledge is power.